suis le chef de ce zoo et plus personne ne vient à l'intérieur. C'est complètement vide. Il nous faut un animal extraordinaire pour attirer du monde. Ok, tu penses à quoi? Au nouveau Shin Sonic préhistorique. Il ne rentrera jamais dans notre bassin. Alors on doit capturer son bébé. Je vais appeler Diabolo pour qu'il nous aide. Vous voulez que je capture le bébé Shin Sonic préhistorique pour le mettre dans votre zoo? Ok, ça marche, je m'en charge avec mes amis. Les amis, aujourd'hui on va capturer le bébé Shin Sonic préhistorique. Et après on va ouvrir le zoo pour que tout le monde puisse venir le voir dedans. Ce que Diabolo ne sait pas encore, c'est qu'en capturant le bébé Shin Sonic préhistorique, le papa va venir le chercher et ça va créer de gros problèmes pour le zoo. Allez, c'est parti, go construire une canne à pêche géante pour pouvoir le capturer. Et aujourd'hui, ce qui va être stylé, c'est que c'est moi qui vais servir d'appât. En gros, je serai au bout de l'hameçon pour que le bébé Shin Sonic préhistorique vienne mordre l'hameçon. Ce sera moi qui sera dessus, du coup ça va être extrêmement dangereux. J'espère ne pas mourir. Allez, let's go, c'est parti Pingu. Go commencer à construire cette énorme canne à pêche pour pouvoir capturer le bébé Shin Sonic préhistorique. Ok, let's go. Est-ce que vous pensez qu'avec le bébé Shin Sonic préhistorique à l'intérieur du zoo, ça va booster le nombre d'entrées du zoo? Je pense que tout le monde va venir le voir. Vous en pensez quoi? Ouais, non mais c'est sûr et certain. Il va y avoir tellement de monde à l'intérieur du zoo, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Ok, let's go. Donc c'est parti. Allez, 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 il faut construire cette énorme canne à pêche et moi je serai sur l'hameçon pour que ensuite le bébé Shin Sonic préhistorique vienne mordre l'hameçon. Ça va être trop stylé. Il nous faut du bois. Bon bah c'est parti. Go chercher du bois. Il y a plein de bois. Regarde, il y a des sapins là juste au-dessus. Let's go. C'est parti. On va aller chercher du bois. Allez, hop, allez, c'est parti. Je vais passer par là. C'est bon, let's go. Allez, coupons du bois. Let's go. On prend du bois, on prend du bois un maximum. C'est parti. On va ramener un maximum de bois sur la plage. Voilà pour construire la canne à pêche géante. Et bien sur laquelle je serai l'appât. Voilà, ça va être incroyable. J'ai très hâte de capturer le bébé Shin Sonic et de le mettre à l'intérieur du zoo et ensuite d'ouvrir le zoo aux visiteurs. Ça va ramener tellement de visiteurs, ça va être une dinguerie. Vraiment, j'ai trop hâte. Let's go. Allez, on coupe un maximum de bois. Allez, let's go, c'est bon. Je pense que là on a coupé pas mal de bois. On va pouvoir le ramener sur la plage et construire la canne à pêche. Let's go, c'est parti. On a assez de bois. Une quelle taille là? Oh wow, sûr, regardez. Il y a déjà pas mal de bois, regardez. Oh, let's go. Faut faire quelle taille, Diabolo? Genre comme la dernière fois? Ouais, peut-être un petit peu plus petit vu que il est un peu plus petit en vrai, le bébé Shin Sonic préhistorique. Donc je pense un petit peu plus petit. Et il faut surtout mettre un hameçon sur lequel je vais pouvoir m'accrocher. Ça va être insane. Genre en gros je vais être au bout de l'hameçon. Voilà ce qu'il y a au bout du fil en fait de la canne à pêche. En gros l'hameçon c'est ce qui sert à attraper les gros poissons. Aujourd'hui le gros poisson c'est le bébé Shin Sonic préhistorique que l'on voit tout là-bas. Il va mordre à l'hameçon, c'est-à-dire à moi. Un peu terrifiant. Oh waouh, regardez, on voit Pingu en train de faire la canne à pêche. Magnifique. Ok, là je pense qu'elle est assez grande. Vraiment très stylé. Oh là 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 là. Du coup, comment est-ce que ça va se passer avec l'hameçon? En gros, eh bien, Pingu, il va accrocher l'hameçon au bout du fil de la canne à pêche. Et moi, je vais être accroché à cet hameçon. Et ensuite, l'hameçon, il va le plonger dans l'eau. Donc, moi, je vais me retrouver, eh bien, plongé dans l'eau. Et à ce moment-là, le bébé Shin Sonic préhistorique va venir mordre l'hameçon. Et du coup, voilà, ça va être insane. Vraiment, ça va être incroyable. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte de pêcher ce bébé Shin Sonic préhistorique. Bon, j'espère ne pas mourir lors de l'opération. Il y a moyen, en vrai, que je meurs, hein. C'est extrêmement dangereux. T'en penses quoi, Biomix? Est-ce que tu penses que je vais mourir ou pas? Non, ça va bien se passer. Ok, je commence à stresser un peu. Avec la protection que Pingu va faire, etc. Non. Mais il y aura pas vraiment de protection, hein, je pense. Il y aura protection. Il y aura que de la nourriture pour la tirer. Voilà. Et la nourriture, ce sera moi. Du coup, voilà. Ok, ok. Bon, j'espère que je vais survivre durant cette opération. Et après, à l'aide d'un hélicoptère, on va amener le bébé Shin Sonic préhistorique à l'intérieur du zoo. On va ouvrir le zoo aux visiteurs. Et là, il y aura tellement de visiteurs, ça va être une énorme dinguerie. J'espère que tout va se passer comme prévu. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression ça va partir un petit peu en live. Qu'est-ce que t'en penses, Biomix? Est-ce qu'il y a des chances que ça parte en live? Ça dépend comment on fait l'enclos, mais ça me paraît peu probable. L'enclos? Mais non, on va juste le mettre dans le bassin, du lion de mer.
derrière. Il y a pas d'enclos, t'inquiète pas. Ouais, oui, voilà, c'est foutu là. Comment ça, c'est foutu? Mais non, ça va bien se passer, Lumix. Ça va super bien se passer. Allez, on croise les doigts tous ensemble. Let's go, voilà. Pour nous aider, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, tous ceux qui soutiennent notre projet. Et pour pas que je meure mangé par le bébé chien Sonic préhistorique. D'ailleurs, l'hameçon, ça va être quoi? Ça va être une cage à l'intérieur de laquelle je vais me trouver, Pingu. Eh oui, j'espère que ça sera assez appétissant. Let's go. Bon, j'ai d'autres trucs peut-être, mais bon, je pense que tu suffiras. Oh, waouh, mais attends, mais par contre, lorsque je vais être dans le hameçon, je vais avoir un peu le vertige parce que là, oh, waouh, ah, c'est oui. Haut. Ah, c'est super haut là, Pingu. Ok, je descends. Oh là 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 là, j'espère ne pas tomber dans l'eau. Oh waouh, je suis tombé dans l'eau de tellement haut. Ah ouais, non, dans l'eau, elle est vraiment sombre, on voit pas très loin. Oh là 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 là, ça veut dire que je vais sans doute pas voir arriver le bébé Shin Sony préhistorique, ça va être terrifiant. Ok, let's go. Bon, bah du coup, c'est parti. Là, on a aussi du coup, eh bien, l'homme cagoulé qui est en train de nous préparer de magnifiques petits transats. Bon, ce sera pas pour moi. Bien profiter du spectacle. Ce sera surtout pour Biomix et lui qui vont pouvoir se poser dans les petits transats pour voir le bébé Shin Sony préhistorique venir me manger sur mon hameçon. Ça va être vraiment exceptionnel. Vraiment, ça va être exceptionnel. Let's go. Donc là je crois que Pingu est en train de commencer à mettre le fil de la canne à pêche. Et du coup bientôt il y aura l'hameçon. Et du coup très bientôt je vais me retrouver au bout de l'hameçon. Ok, terrifiant. Terrifiant, vraiment terrifiant. Oh allez, c'est parti, let's go. Ok, oh regardez, c'est bon, regardez. Oh, Pingu là, c'est bon, il est à l'œuvre. La canne à pêche va très bientôt être finie. Et là du coup je serai au bout de l'hameçon. Waouh. Ok, je commence à stresser. Biomix, t'as pas des exercices pour un peu moins stresser? Genre qu'est-ce que je peux faire là? Je commence à vraiment stresser. Ok, je m'assois et là je fais quoi? Faut faire des tours de plage aussi. Faut faire des tours de plage? Ouais. Ok. Ouais, vas-y, dis-moi. Tout va bien se passer, t'inquiète. Ok. Et même si tu fais croquer et que tu perds ton bras, c'est pas grave, on va te le réparer. Ah, mais attends, mais tu peux pas réparer mon bras, faut le recoudre. Je sais pas comment on fait, mais s'il est mangé par le bébé Shin Sonic préhistorique. Ok, bon, ok, je te fais confiance. Ok, bon, en tout cas, ce bébé Shin Sonic préhistorique, il a peut-être un papa ou une maman. Ça, j'avais pas vraiment réfléchi, mais en vrai de vrai, si on capture le bébé Shin Sonic préhistorique et qu'il a un papa ou une maman, est-ce que le papa ou la maman va pas avoir envie de récupérer ce bébé Shin Sonic préhistorique si on le ramène dans le zoo? Ah, c'est une bonne question, dépend, ça. Mais je pense pas, honnêtement. Tu penses pas? On va être ultra loin, ça m'étonnerait. Après, si le zoo il est à côté de la mer, ça va être un peu compliqué. Oh, bah le zoo est oui, effectivement, à côté de la mer. Hein. Vous allez voir tout à l'heure les abonnés, mais le zoo est à côté de la mer. Hein. Aïe aïe aïe, je sens, je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui cet épisode, mais je sens que ça va vraiment partir en live. Je commence à vraiment stresser. Ok, bon, ok, on va essayer de se rassurer comme on peut. Allez, ça va le faire. Allez tous ensemble, ça va le faire. Waouh. Mais attends, mais tu nous fais une toile d'araignée, Pingu, ou c'est une canne à pêche là? Qu'est-ce qui se passe? Imagine, il tire et la canne à pêche elle se brise. Ah oui, effectivement. Ok, let's go. Je sais même pas, il est fort à quel point ton truc. Bah, je pense, vu que c'est le bébé, en vrai, ça devrait aller. Waouh. J'ai vu le bébé sauter au loin. Waouh. Oh là 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 là. Alors, vraiment, le bébé comparé au gros, il est vraiment beaucoup plus petit. Hein. Genre, le gros, je sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais il est genre vraiment énormissime. Hein. Genre, peut-être le papa ou la maman, quoi. Oh, waouh. Terrifiant. Bon, les mecs, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une fois la canne à pêche terminée d'ici quelques minutes, le temps d'une petite ellipse. 15 minutes later. C'est bon, la canne à pêche est terminée. Let's go. Incroyable. On voit l'hameçon. L'hameçon, c'est une cage à l'intérieur de laquelle je vais être. Ensuite, cette cage, une fois que je suis à l'intérieur, eh bien, Pingu va la plonger dans l'eau. À ce moment-là, le bébé Shin Sonic préhistorique va être attiré par mon odeur. Il va vouloir venir me manger. Il va mordre cette cage. Du coup, normalement, je vais être protégé par la cage. Normalement, il va pas réussir à me manger. On verra bien. J'espère que la cage va résister, eh bien, à la pression de la mâchoire du bébé Shin Sonic préhistorique. Donc, c'est parti. Let's go. Il faut que je rentre dans la petite cage. La petite cage qui va être plongée dans l'eau. Et ensuite, cette petite cage va être mangée par le bébé Shin Sonic préhistorique. Enfin, normalement, il va juste pouvoir la mordre. Et du coup, après, eh bien, on l'aura capturé. Ok, let's go. C'est moi là-bas. Allez, hop, c'est bon. Il faut que je rentre à l'intérieur de la cage. Oh, ok. Oh, waouh. Oh, heureusement que depuis quelques jours, Pingu, tu m'as dit d'arrêter de manger. Comme ça, j'ai pu passer à travers les barreaux. Ok, incroyable. Là, je vais m'asseoir au fond de la cage. C'est bon. Je suis assis au fond de la cage. Je peux plonger dans l'eau. Ouais, c'est bon. Biomix, on est d'accord. T'as saboté, du coup. Comment ça, Biomix, il a saboté? Quoi? Comment ça? Non. Waouh, je suis dans l'eau. Oh, je suis dans l'eau. Waouh, terrifiant. Ok. Oh, non. Oh, c'est tellement terrifiant, les mecs. Je suis dans l'eau. Oh là 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 là, regardez. Oh waouh, c'est tellement terrifiant. Oh là là, le bébé Shin Sonic préhistorique, qu'est-ce qui va arriver? Il arrive. Oh, je le vois. Je vois ses pattes. Ah non, il va manger la cage. Oh, ok, c'est bon, il mord la cage. J'ai l'impression qu'il mord la cage. Oh oui, je vois ses dents et tout. Ah, terrifiant. Oh, ok. Ok, c'est bon. Il a mordu. Ok, j'ai l'impression qu'il a mordu. Ok. Oui, il est coincé dessus.
Il est coincé dessus, ouais. Je vous reçois. Oula, attention, la cage bouge. Ok, c'est bon. Ça a fonctionné. Vous l'avez capturé. Eh oui, c'est bon. Oh, let's go. Incroyable. Je vais pouvoir sortir de la cage normalement. Ok. Hop, je vais sortir de la cage. Ok, deux secondes. Faut que j'arrive à passer à travers les barreaux. Ok, c'est bon. Regardez. Le bébé Shinsonic préhistorique a mordu à l'hameçon. C'est bon. On l'a capturé. Insane. Ok, let's go. Du coup, maintenant, on va pouvoir l'endormir avec des fléchettes. Et ensuite, on va l'amener avec un hélicoptère au zoo. Ça va être insane. Incroyable. C'est parti, vous allez voir, c'est moi qui vais lui tirer la fléchette pour l'endormir. Let's go, regardez. Bam, let's go, c'est bon. Là, il va s'endormir et on va pouvoir l'amener au zoo. On va être riche. Ah oui, ça c'est sûr, on va avoir tellement de visiteurs. Let's go, on se retrouve directement 50%. Au zoo. La team, je crois que nous avons un problème. Le papa du bébé Shinsonic préhistorique est en train d'arriver. Il faut vite que l'on emmène le bébé au zoo. Mais je pense que le papa va nous suivre. Il va peut-être attaquer le zoo. Oh là 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 là. Ok, c'est terrifiant. Allez vite, on emmène le bébé au zoo. J'espère que le papa ne va pas nous suivre. C'est bon, nous sommes au zoo et on a ramené le bébé Shinsonic préhistorique par bateau et non pas par hélicoptère. Du coup, let's go, nous sommes au port du zoo. Voilà, incroyable. Et du coup, le fait qu'il y a un port, eh bien, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vient de voir avant de partir le père du bébé Shinsonic préhistorique venir pour essayer de récupérer son bébé. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de traverser l'océan pour atteindre le zoo et du coup venir attaquer le zoo? Oh là 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 là. Oh oui, c'est vrai qu'en plus là-bas il y a une ville. Oh non, ça se trouve, je vais provoquer une énorme catastrophe. Le père du bébé Shinsonic préhistorique va venir attaquer la ville, le zoo, etc. Oh là 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 là. Je sens que cet épisode va complètement partir en live. Ok, let's go. Bon bah du coup les abonnés, je vais vous montrer dans quel bassin on a mis le bébé Shinsonic préhistorique. Oui, par contre, je pense qu'on va se faire plein de sous. Bingo, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde devant le zoo. On ira voir ça tout à l'heure. Déjà, je vais vous présenter un petit peu, eh bien, le zoo, tout ce qu'il y a à l'intérieur du zoo. Mais déjà, on va commencer bien pour le bassin où on a mis le bébé Shinsonic préhistorique. Le voici, le bébé Shinsonic préhistorique à l'intérieur du bassin où se trouvaient les lions de mer. Regardez-moi ça, let's go. Oh, attention, waouh. Pourquoi est-ce qu'il y a un crocodile ici? Waouh. Ah ouais, non mais ouais, il va falloir peut-être le bouger avant que le zoo il ouvre. Et là-bas, il y a ton pote Pingu. C'est mon cousin. Ouais, il y a ton cousin. Mon cousin, il visite. Non mais par contre, on va ouvrir le zoo d'ici. Attendez, je regarde l'heure. Ok, d'ici 10 minutes. Et là, le problème, c'est qu'il y a un crocodile qui se balade parmi les gradins du bassin du Shinsonic préhistorique. Enfin, du bébé Shinsonic préhistorique. Parce que le vrai Shinsonic préhistorique, lorsqu'il va arriver, ça va faire mal. Là, c'est un bébé, du coup, ça va, il est petit. Il rentre dans le bassin. Ouais, oh, attention, attention, attention. Tu fais quoi avec le crocodile? Oula, 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 oula. Attention, je peux m'en occuper si tu veux. Ok, vous allez sortir du zoo ou vous allez le mettre dans un autre endroit? On va le tuer, on va le tuer. Non mais qu'est-ce que vous faites? Non mais allez pas le mettre dans les bassins. Non mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là 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 là. T'inquiète, on va le tuer, t'inquiète. Je sais pas si on va être prêt pour l'ouverture, mais j'espère. D'ailleurs, je vais aller vous montrer le bébé Shinsonic préhistorique. On peut le voir soit de là-haut, regardez, en gros, en haut du bassin. Ici d'ailleurs, on peut le voir aussi, regardez, il suffit de faire le tour. Voilà, on passe par là et regardez s'il y a une petite zone, on peut le voir. Pourquoi j'entends des tirs dans tous les sens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au crocodile? Oula, ok. Donc là, ok, terrifiant. Donc là, on peut observer le bébé Shinsonic préhistorique. C'est le deuxième point de vue. On peut aussi l'observer du coup depuis les gradins. Let's go, on va aller dans les gradins pour vous montrer vraiment tous les endroits où on peut voir le bébé Shinsonic préhistorique. Pour vous montrer vraiment que c'est une énorme dinguerie. C'est trop stylé. C'est vraiment un truc de fou pour le zoo. Ok, hop, on fait le tour et regardez. Là, nous sommes dans les gradins. Et là, du coup, on peut voir, hop, le bébé Shinsonic préhistorique. C'est trop stylé, hein. Oh là 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 là. Et en vrai, dans le futur, on pourrait aussi faire des spectacles, Bingo. C'est ton date? Attends, quoi? Oui. C'est un pingouin femelle, Bingu? Eh oui, il fallait que je te la présente. Ah, ok, d'accord, bon voilà. Voici la copine de Bingu. Oh, waouh, comment tu peux dire ça? Je suis pas gentil du tout. Là, je peux me permettre. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer maintenant le troisième point de vue possible du bébé Shinsonic préhistorique. Et là, vous allez voir, c'est le meilleur. Voilà, waouh. Oh là 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 là, c'est incroyable. Bon, faut qu'on change ce panneau qui disait que c'était un lion de mer. Du coup, là, faut qu'on remplace et qu'on mette que c'est le bébé Shinsonic préhistorique. Oh là 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 là. C'est insane. Oh waouh, c'est tellement stylé. Dans l'endroit où il y a tous les aquariums, c'est vraiment une énorme dinguerie. D'ailleurs, venez, on va devant le parc pour voir s'il y a du monde en train d'attendre. Oh, ok. Waouh, ok les mecs. Je crois que c'est rempli, j'ai entendu du bruit là. J'espère qu'on va se faire beaucoup de sous. Oh là 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 là, incroyable. Et, oui, je pense 50% déjà. Et après, on va ouvrir le zoo à tout le monde. Ça va être insane. Mais attention au père du bébé Shinsonic préhistorique qui va peut-être se ramener. Oh waouh, il y a tellement de monde en train d'attendre. Oh waouh.
Mais quelle énorme dinguerie. Oh là là. Attends, il y a un client qui arrive là en voiture. Oh waouh, c'est une énorme dinguerie. Mais non, mais c'est le player. Non, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Hey, viens, t'es en retard pour le travail. Allez, viens, t'es en retard pour le travail. Ok, la team. Bon, du coup, d'ici maintenant 5 minutes, on va ouvrir le zoo. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du zoo. Alors, déjà ici, nous avons eh bien la boutique. Voilà. En gros, il y a une petite boutique où les enfants peuvent acheter des petites peluches de tous les animaux qu'on a dans le zoo. Bon, du coup, on a plus de crocodile. Avant, on avait un crocodile. Maintenant, il a disparu. Du coup, voilà, on a des girafes, on a des éléphants. Vous allez voir, on a tout ça dans le zoo. C'est vraiment trop stylé. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que le chef du zoo vient d'arriver. Ok, voici le chef du zoo. Ça veut dire que l'on va ouvrir le zoo d'ici une minute ou deux. Ok, il faut que je me dépêche de vous présenter comment est-ce que l'on visite le zoo. Du coup, on repart par ici. Let's go, c'est parti. Là, on rentre par là. Et là, on commence par l'aquarium. Let's go, c'est parti. Visite de l'aquarium. Donc là, ça présente un petit peu tout ce qu'il va y avoir dans l'aquarium. Et ensuite, là, c'est le début de la visite. Voilà, début de la visite. Là, on a des petits aquariums. T'as vu ça, Pingu? Oh waouh, t'as pris un petit souvenir du parc. Eh oui, je me suis servi. Il faut travailler quand même. Une petite girafe, magnifique. Ok, stylé. Donc là, regardez, on a simplement les premiers aquariums un peu stylés. Voilà, regardez. Oh là 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 là. On a des petits aquariums qui sont vraiment magnifiques, dans lesquels il y a plein de poissons différents. Ensuite, on arrive sur les grands aquariums. Là, vraiment, c'est stylé. Regardez, on a des immenses aquariums vraiment magnifiques. Voilà, de très très grands aquariums dans lesquels il y a plein de poissons. C'est vraiment magnifique. Donc là, on peut continuer la visite par là où on veut. Soit par ici, regardez juste ici. Voilà, on peut continuer. Ici, il y a des petits aquariums. Voilà, c'est parfait. Soit, regardez, on continue là. Regardez, venez, venez, venez. Hop, let's go. On fait le tour et du coup, on continue par là-bas. Regardez, on descend en fait juste ici. Et là, ça va être magnifique, vous allez voir, puisqu'on arrive tout simplement à l'attraction. Voilà, l'énorme attraction. Très bientôt. Alors, du coup, oui, c'est un peu plus bas. Donc là, regardez, let's go. Oh là 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 là. On a les petits aquariums un peu stylés. D'ailleurs, on avait un petit peu plus haut. Regardez juste ici. Voilà, on avait des petits aquariums un peu stylés. Donc voilà, let's go. On continue et vous allez voir, on va arriver à l'attraction. Incroyable. Voilà, oh là 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 là. Le bébé Shinsonic préhistorique. Donc voilà, on passe par ici. Let's go. On arrive en bas. Voilà, on arrive en bas juste ici. Let's go. Là, on a encore des grands aquariums. Oula, 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 oula. Pourquoi il y a du verre qui s'est cassé? Ça vient d'où là? Qu'est-ce que tu fais, Pingu? C'est la peluche. Oula, ok, terrifiant. Ok, donc là, on continue par là. Et quoi? Oh, non, t'inquiète, c'est le crocodile. On s'est occupé de lui. T'inquiète, attends, attends. Mais attends, mais waouh. Attends, mais c'est terrifiant. On va le bouger, t'inquiète, t'inquiète. Waouh, non, mais nettoyez ça pour les clients. Oh là là là, mais c'est terrifiant. Oh, en plus, dans ce zoo, on maltraite les animaux. Non, mais vraiment, c'est terrifiant là. Waouh, 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 waouh. Et là, du coup, regardez, comme je vous le disais, on arrive du coup à l'attraction. Le bébé Shinsonic préhistorique. Incroyable. Et une fois que ça s'est fait, regardez, on sort ici. Et là, regardez, on a un magnifique enclos dans lequel étaient censés se trouver les lémuriens. Mais on a tout sauf des lémuriens. Ouais, c'est un peu le bazar cet enclos. Hein. Il n'y a pas vraiment de lémuriens. On a du coup un cerf, un cochon, d'accord. Ça n'a aucun sens. Un gorille, d'accord. Un gorille terrifiant. Là-bas, on a une vache, un lapin. Ok. Là, on a un kangourou et un cheval et un player de Poppy Playtime. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Waouh. C'est un animal, c'est un animal. On a un loup aussi. What? Mais attendez, mais il y a tout et n'importe quoi dans cet enclos. Non, mais c'est quoi ce délire? Non, mais Pingu, qui s'occupe de la répartition des animaux là? Ça n'a aucun sens. C'est le player, mais il s'est enfui. Ah ouais, d'accord, ok, terrifiant. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Ensuite, la visite, elle continue par ici. D'ailleurs, là-bas, regardez, en fait, si vous continuez, c'est uniquement pour le staff ici. Hein. C'est uniquement pour les employés. En gros, voilà. On arrive là où on a été tout à l'heure. En gros, là où il y a le port, etc. D'ailleurs, il y a un hippopotame au port. Je sais pas ce qu'il fait ici. Normalement, il devrait être dans un bassin ou un truc comme ça. On est vraiment pas prêt pour l'ouverture. Mais bon, c'est pas grave. On continue, let's go. Donc là, la suite de la visite, elle continue par ici. On arrive là. Là, c'est l'enclos de la savane. Donc normalement, il y a des lions. Sauf que là, il n'y a pas que des lions. Il y a aussi. Bah, du coup, un éléphant, une girafe, une girafe, un lion. Un lion avec un zèbre. Mais Pingu, qui s'occupe de la répartition des animaux? C'est quoi ce délire? Regarde, il est là-bas. Là, regarde, il est là-haut. C'est lui. C'est lui, c'est le player. Mais le player, tu fais n'importe quoi. Pourquoi il nous fait coucou? Non, mais c'est quoi ce délire? Tu fais n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une petite cabane dans laquelle on va pouvoir aller pour observer eh bien, la savane. C'est trop stylé, vous allez voir. Donc là, ensuite, eh bien, on a un serpent avec une poule. Ok, d'accord, tout va bien. C'est la tradition, c'est toujours comme ça. Bon, la poule ne s'est toujours pas fait manger, mais normalement, ici, il y a des suricates. Bon, en tout cas, les enfants, comme ça, ils vont croire que ça, c'est un suricate. Ils vont croire que la girafe, c'est un lion. Enfin, ça va être magnifique. Ouais, vraiment, ça va être incroyable. Donc, du coup, ici, regardez, on a un petit chemin qui nous mène à la petite cabane qui est un peu stylée. Regardez juste ici. Voilà la petite cabane qui nous permet d'observer la savane. Magnifique, vraiment magnifique. D'ailleurs, on voit pas le zèbre et le player n'est plus là. Je sais pas ce qu'il fait. Il joue à cache-cache. Ok.
Let's go. Et là du coup regardez, hop, on repasse par là. Et là on finit la visite. Voilà, on a fini la visite. C'est fini, c'est magnifique. On a fini la visite. Du coup on va pouvoir ouvrir le zoo aux visiteurs. Let's go. Chef, on peut ouvrir. Oh là là, à nous les billets. On va être riche. On va être riche. 5 minutes later. Les abonnés, ça fait quelques minutes que le zoo est ouvert. Et nous surveillons actuellement l'océan pour voir l'arrivée du père du bébé Shinsonic préhistorique. Pour l'instant il n'arrive pas. Allez, on surveille l'horizon. Peut-être qu'il est sous l'eau et que d'un coup il va sortir et attaquer le zoo. Ça peut être terrifiant. En plus regardez, en face il y a une énorme ville. Je vais peut-être provoquer la fin du monde. Regardez-moi cette ville énorme qui peut être attaquée par le père du bébé Shinsonic préhistorique, c'est-à-dire le Shinsonic préhistorique originel. Voilà, qui va peut-être attaquer la ville et entièrement la détruire. C'est terrifiant. Du coup, pour faire attention et pour surveiller la mer, on a l'homme cagoulé qui a installé une mitrailleuse avec un petit mur de pierre. Voilà, parfait. Et là, regardez là-haut, on a Pingu avec son arbalète sur le balcon. Oui. Let's go. Regardez, il surveille l'horizon. Ouais. Voilà, on surveille l'arrivée du père du bébé Shinsonic préhistorique. Ok, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Je regarde un peu à gauche, à droite. Au niveau de la ville, oh, imaginez, il attaque la ville, mais ça va faire des centaines de milliers de morts. Et tout ça à cause de moi. Oh, waouh, ce serait terrifiant. Tout ça pour gagner un peu de billets, vraiment. Je me sentirais très mal. À mon avis, j'irais directement en enfer après ça. Bon, du coup, let's go, c'est parti. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à l'horizon. Au pire, je vais vous laisser surveiller. Je sais pas où il est passé, Pingu. Pingu, ouais, t'es sur le balcon. Il est là, il est là. Oui, quoi, t'es descendu. T'es descendu. Attends, où est-ce que t'es? Je te vois plus. Je suis devant toi. Ah oui, t'es là, ok, d'accord. Je vais vous laisser surveiller. Ah, attendez, on m'appelle dans l'oreillette. Oui. Oh, non, non. Waouh. Apparemment, le père du bébé Shinsonic préhistorique est devant le zoo. Non, 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 non. Terrifiant. Oh là 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 là. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il est plus petit que la normale. Oh, c'est peut-être sa mère. C'est peut-être sa mère. Vite, il faut traverser le zoo. Oh la dinguerie. Oh, vite, évacuer, évacuer. Oh là 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 là, les gens sont à l'intérieur du zoo. Oh waouh, les gens sont partout à l'intérieur du zoo. Non, non. Vite, 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 vite. Ouais, il va falloir qu'on le sorte. Non mais non, 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 mais là c'est pas possible. Il y a tellement de monde dans le zoo. What? Mais comment ça se fait qu'il y a un mouton qui est là? Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Pourquoi il y a le mouton qui est là? Ça n'a strictement aucun sens qu'il soit là. Bon bref, on va aller devant le parc. Oh, waouh. Non, non. Ah, mais c'est quoi ce délire? Waouh. Waouh. Non, regardez. Non. Non. Non, 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 non. Non. Oh là 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 là. Non. Elle nous attaque. Vite, prenez des armes. Oh là 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 là. Il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer. Non. Tous ces gens. Non. Oh, allez, waouh, 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 wow. Il nous attaque. Ok, je sors, je tire, je tire, je tire. On se bat contre la mère du bébé chez Sonic. Oh là 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 là. Oh waouh, je vais me faire manger, c'est sûr et certain. Allez, tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Non. Oh là là, vite, 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 vite. Oh là 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 là, elle est en train d'attaquer. Le zoo, waouh, c'est terrifiant. Oh, et essaye de m'écraser avec sa patte, je fais attention. Waouh, 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 waouh. Attention. Oh, les attaques de fou qu'elle lance dans le zoo. Aïe, 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 aïe. Par m'écraser avec sa patte. Ok, attention, attention. Allez, tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Allez, tirez-lui dessus. Pingu, Pingu, non. Pingu, non. Pingu, non. Oh non, je suis dégoûté. Pingu, Pingu, tu m'entends? Pingu, Pingu, est-ce que tu m'entends? Non, il m'entend pas, il m'entend pas, il m'entend pas. Pingu, non, c'est la fin pour Pingu. Je suis dégoûté, Pingu, s'il te plaît. Reviens à toi, Pingu, non. Il faut vite que tu t'enfuis. Oui, je vais m'enfuir. Ok, je vais m'enfuir. Oh là 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 là, il faut que je prenne le bateau à l'arrière. Oh, il va détruire le zoo entièrement. Je lui tire dessus, let's go. Attention. Oh là 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 là. Oh, waouh.